Ah, trouver des bonnes affaires immobilières sur Internet, c'est super difficile. Il n'y en a plus, les professionnels ont tout pris, c'est impossible. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Certainement dans la bouche de quelqu'un qui vous conseille de ne pas vous lancer dans l'immobilier. Eh bien, je suis Stéphane Dibary, j'ai investi principalement dans l'immobilier en Belgique. Je suis l'auteur du blog imostart.fr. Lancez-vous facilement dans l'immobilier, même en Belgique. Et je vais vous prouver qu'aujourd'hui, on peut toujours trouver de bonnes affaires sur Internet. Comment? Simplement, je me suis lancé un défi. Pendant 2 mois, je vais vous sortir une vidéo toutes les semaines en vous montrant une bonne affaire sur Internet. Je vais chercher des bonnes affaires, les trouver et les partager avec vous pendant ces 2 mois. Je vais vous montrer que c'est très facile de trouver de bonnes affaires. J'ai déjà tourné quelques vidéos, donc je le sais déjà. Il y a de petites perles là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Et sinon, le mieux, c'est maintenant de passer derrière l'écran. On va commencer directement. Alors voilà, vu que c'est la première vidéo, j'ai décidé de faire simple. J'ai choisi une ville que je connais bien. C'est une ville en Belgique qui s'appelle Charleroi. Cette ville est ici, au sud de Bruxelles, entre Mons et Namur. Voilà, alors nous allons faire un petit zoom sur Charleroi. Voilà, alors c'est une ville où nous avons des hautes écoles et universités, plusieurs campus, l'Université de Mons, l'Université du Travail, la Haute École Louvain-en-Hainaut, il y a encore le centre universitaire. Donc clairement une ville où on peut faire de la location estudiantine. On va zoomer un tout petit peu plus. Ici, vous avez un shopping center cinéma. Ici, vous avez un énorme shopping center aussi. Et le centre de ville avec les cafés. Voilà. Les deux biens que nous allons évaluer aujourd'hui se trouvent un ici, dans ce coin-ci, donc pas très loin du centre, et l'autre juste ici au nord, donc pas très loin de ce shopping center et des universités. Donc voilà les deux premiers biens, une maison de rapport à Charleroi et une maison de rapport à Charleroi. Alors j'ai fait ça, comme je vous l'ai dit, Charleroi c'est une ville que je connais, donc j'ai simplement tapé dans le moteur de recherche immoblanc.be maison de rapport à Charleroi, j'ai mis en dessous de 400 000 euros et j'ai commencé à faire un filtre. Et j'ai trouvé donc ces deux maisons-ci. Donc, cette première maison, celle qui se trouve au nord de Charleroi. Alors, comment est-ce que j'ai déjà fait le filtre pour déjà choisir ces deux maisons-ci? Alors, très très important, quand vous cherchez sur Internet, il faut avoir les loyers. Si vous n'avez pas les loyers, vous ne savez pas faire d'estimation. Donc, soit c'est dans l'annonce, soit vous devez le demander. Et alors, la règle d'or, c'est celle-ci. 1 an de loyer. Donc, 1 an de loyer, 12 mois de loyer, net. Sans les charges qui sont à charge donc, du locataire, doit être plus élevé que 10% du prix d'achat. En gros, 10% de rentabilité nette au minimum. Voilà. Et ça se trouve très bien, on va voir ensemble ici, voilà. Donc ici, nous avons une petite maison de rapport à Charleroi. C'est une maison de rapport donc, avec 3 appartements, 400, 450 et 480. Donc on est à 1330 euros par mois de charges. Les compteurs sont individuels, donc c'est 1330 euros de loyer, pardon, pas de charges, sont hors charge. Donc c'est le locataire paye lui-même son eau, gaz, électricité. 1330 fois 12, donc ici on est à 15 960. 15 960, on est plus élevé que 10%. 250 000, on peut continuer. Alors justement, continuons. Bon, voilà, on sait déjà que les chiffres, on va pouvoir travailler avec les chiffres. Maintenant, petit passage rapide sur les photos. On regarde rapidement, comme on voit, ça a l'air propre, du parquet, des murs, des portes simples, voilà, châssis en bois, meublé un peu à l'ancienne. Voilà, ça c'est une photo super importante, c'est la photo de la douche. Vous voyez qu'il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de traces d'humidité, vous avez un bain, une douche, donc déjà très très bien. Ici, la photo de la cuisine, vous voyez,
chaudière individuelle, encore une fois, aucune trace d'humidité, de saleté. On continue, donc living, voilà, là on voit la photo chez les gens, encore une fois, voilà, ça c'est un autre appartement, encore une fois, vous regardez bien les coins des murs, vous regardez bien les plafonds, pas de trace d'humidité. Tout ça, bien entendu, il va falloir vérifier sur place. Il faut bien entendu visiter, c'est bien. Ici, encore une fois, là, ce sont les châssis en PVC. Voilà, je vous passe les photos. Autre cuisine, encore une fois, aucune trace d'humidité. Donc ici, on est dans, voilà, dans une chouette petite maison divisée en trois entités locatives. Donc voilà, description, trois appartements. Important en ordre urbanistique. Donc on sait déjà, c'est du prêt à l'emploi, c'est du prêt à la location, c'est dans son jus, on peut louer ça tel quel, pas de travaux, pas de division, pas de rénovation, on est prêt. Donc c'est clairement aujourd'hui, on se focalise sur ça, sur les biens prêts. Alors, on va passer directement à mon petit dossier d'investissement en Excel, parce que maintenant il faut voir les chiffres. Premier, donc le prix, le revenu cadastral qui nous est donné donc ici. Donc je crois qu'il nous donne le revenu cadastral. Ici, il ne me le donne pas, c'est il me le donne ici. Alors voilà, on le rentre dans le dossier ici. Revenu locatif mensuel 1330 euros. Alors ensuite, on va passer ici aux estimations de charges. Alors, le précompte immobilier, une fois que vous avez rentré le revenu cadastral, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement en charge. Moi, je calcule mon assurance automatiquement 40% dans mon loyer. Donc, c'est généralement ce que j'ai comme assurance. Donc, voilà. Au gaz, électricité, TV, le locataire paye lui-même ses charges. Taxe particulière annuelle, pas spécialement de premier abord. Voilà. Charge mensuelle, moi je mets toujours 10% de gestion, donc voilà, j'ai 10% de charge pour gérer l'immeuble. Vous n'êtes pas obligé de les comptabiliser, moi je préfère comptabiliser toujours 10% de charge dans mes calculs. Voilà, tout le reste c'est l'estimation, vous avez comment on ventile tous les frais notaires, mais on va repasser ici. Voilà, donc on a un prix de base. Dans ce fichier, donc j'ai des possibilités d'optimisation comme je vous en parle dans d'autres vidéos. Dans ce cas-ci, on n'y touche pas. Donc on fait vraiment l'achat de base, quoi. Donc un achat de base avec les frais de notaire de base. Donc, on est en Belgique, voilà, nous sommes en Belgique, en Wallonie, on a 12,5% de frais d'enregistrement. Donc les frais d'enregistrement ici c'est 12,5%. Tous les autres frais annexes qui sont calculés automatiquement. On arrive à un coût total d'achat de 176 000. On rajoute 5 000 euros de travaux. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, toujours ajouter des travaux, avoir un prêt travaux, c'est quelque chose qui vous permet d'étaler vos paiements sans devoir demander à la banque un étalement des paiements au départ. C'est automatique avec un prêt travaux. Donc, leur demander un prêt travaux facilite la négociation. Et puis, vous achetez quelque chose, il y a toujours un petit peu de travaux à faire, de rénovation, ne serait-ce que changer de meuble. Voilà. On arrive à 180 à 1000. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce fichier, voilà, donc j'ai mis dans ce cas-ci que j'avais une possibilité d'apporter 26 700 euros. Voilà. Donc comme j'ai cette possibilité, je vois qu'un prêt 100% plus travaux, ça passe. Je suis ici au vert. Donc tout ce qui est au vert, c'est ce qui passe. Ce qui veut dire que le projet est bon. Et donc dans ce cas-ci, si j'apporte 26 700 euros, et je peux choisir donc ma quotité à 100% du taux, donc aucun problème pour avoir le prêt à la banque, on est juste à 100%. J'ai pris un taux fixe de 2,35, normalement on est en dessous de ça sur 20 ans, ce qui me donne une mensualité avec travaux de 810, et donc un cash flow par mois de 261 euros. Ici vous avez les rentabilités, donc la rentabilité totale. Donc vous voyez qu'une fois qu'on a rajouté toutes les charges du prêt, on n'est plus à 10% de rentabilité, mais à 7,08%. Ma rentabilité cash flow, c'est ma rentabilité, mon cash flow par rapport à ce que j'investis en cash. Voilà. Donc ici, sur l'argent que je sors de ma poche, si je le mets à la banque, il me faudrait un taux de 11,76% pour pouvoir rentabiliser comme je le rentabilise ici.
Donc, jusque-là, sur papier, super projet. Donc, projet totalement viable. Maintenant, beaucoup se posent la question, voilà, si je veux investir en apportant zéro, où est-ce qu'on va? Alors, en apportant zéro, là, ça devient beaucoup plus serré. Alors, vous voyez ici que ce qui a changé, c'est ici. Et donc, en Belgique, il faut emprunter 125%. On l'a vu dans d'autres vidéos, on n'est pas à 110% comme en France, on est à 125% pour avoir un prêt total. Alors ici, la somme négative, c'est ce que vous auriez en poche après avoir emprunté. Ne la prenez pas en compte parce que ça va rentrer dans des frais annexes, assurance, caution. Donc, on va dire que vous empruntez à 125%. Avec les travaux, vous êtes plus ou moins à zéro, mais c'est faisable. Et on voit ici que si vous arrivez à avoir un prêt sur 20 ans de 1,8%, vous êtes totalement dans le vent. Totalement dans le vent. Maintenant, encore une fois, vous voulez quelque chose de beaucoup plus facile à faire. Bon, 25 ans, tous les marqueurs sont au vert pour un emprunt total. Donc, vous savez que si vous allez à la banque avec ça, vous pouvez créer un dossier qui intéressera les banques. Tous les indicateurs ici de la colonne sont au vert. Vous avez un cash flow, donc ici, on va prendre ici un 2,35 aussi, sur 25 ans, on est à 849. Donc, vous avez toujours du cash flow positif, même si vous empruntez à 100%. Donc, voilà. Premier projet. Ah, on a déjà trouvé une bonne affaire. Ceci est déjà une bonne affaire. On va très rapidement la comparer avec ma deuxième bonne affaire, qui est celle-ci. Une maison de rapport à Charleroi, beaucoup plus chère, mais cette fois-ci, on a 7 logements en ordre d'urbanisme. Donc là, nous avons studio à l'avant, studio à l'arrière, donc on parle de studio, cour jardin, entresol, un studio, et ensuite, les deux autres étages, on a trois cotes. Cotes, ça veut dire chambre d'étudiants. Donc on a trois chambres d'étudiants avec cuisine commune pour les trois. Voilà, donc on a au premier étage, on a une chambre, la cuisine commune, les douches et les WC communs. Et au deuxième étage, on a les deux autres chambres. Voilà. Encore une fois, on a tous ces revenus que vous voyez ici sont charges comprises, puisque ce sont les chambres d'étudiants. Donc là, on loue charges comprises. Et le vendeur a gentiment fait le décompte pour nous, 2810 euros hors charges. Donc vous verrez, on est à 3760, je crois, de loyer, desquels il ne compte que 2810 euros en charge. On retourne encore 2810 euros fois 12, on était à 33 720, on est aussi au-delà de 10%, projet qui est viable. On peut aller plus loin. Alors, allons plus loin. Dans ce projet, on va jeter aussi un coup d'œil ici, voilà, vous voyez les murs. Ici, les photos donnent un peu moins envie. Donc clairement ça c'est du meublé. Donc là on est dans des chambres d'étudiants, des petits studios. Donc on nous meublait. Vous voyez ici les meubles ne sont pas super attrayants. Donc on est vraiment dans un système, oui, bon. Il y a quand même du travail à faire. Celui-ci n'est pas aussi clé en main que l'autre. Si vous voulez bien le rentabiliser, il va quand même falloir donner un coup de peinture, changer de mobilier, faire de belles photos. Donc, un tout petit peu plus de travail. Voilà. Maintenant, par contre, celui-ci a un avantage sur l'autre. J'ai été voir, donc ici, je prends tous les biens d'annonce. Et là, ça me donne une information. Voilà. Le bien a été ajouté il y a 5 jours. Donc, ceci est tout nouveau sur le marché. Ça veut dire que vous êtes un des premiers dessus, aussi beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un truc positif à prendre en compte. On va aller dans les fichiers maintenant pour celui-ci. Alors celui-ci a grosse différence. Encore une fois, revenu cadastral, je l'ai pris de l'annonce. Et ici, par contre, dans l'évolution des charges, on va aller ici, j'ai pris les revenus locatifs nets, donc je n'ai pas compté au gaz, mazout, internet. Ça, c'est quelque chose que vous devez revenir une fois que vous avez décidé ce bien m'intéresse. Ne pas faire ça, ne pas avoir confiance au vendeur. Demandez-lui bien toutes les charges pour l'année passée. Donc, toutes les factures et faites vous-même la somme des charges pour voir si vous arrivez bien au même montant. Ici, vu que c'est pour aller plus vite, je prends ces 2800, donc je mets 0 dans ces charges-ci. Par contre, gros détail, les taxes.
Ce sont des chambres d'étudiants. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, les chambres d'étudiants, surtout en région wallonne, ils vous demandent une taxe pour une taxe annuelle. Et donc, la taxe à Charleroi est de 190 euros par chambre d'étudiants, 190 euros x 7, 1330 euros. Donc, c'est une taxe qu'il faut intégrer ici dans vos charges annuelles. Bien sûr, personne ne vous le dira, mais il faut le savoir. Renseignez-vous dans les villes, quelle est la taxe à payer pour mettre des logements en location immobilière. Voilà. La gestion, je prends encore une fois 10% directement. Alors, dans mes calculs, par contre, ici, je vous ai dit, il y a des travaux à faire, donc on est à 20 000 euros de travaux à faire. J'ai compté, il y a 7 logements, je mets un peu moins de 3 000 euros par logement de travaux, donc un coup de peinture, changer les meubles, on arrive à 20 000 euros, et nous allons vérifier où nous en sommes, point de vue cash flow. Là, bon, mais on va commencer avec 53 000 euros de cash, hein, tout simplement pour avoir tous les voyants ouverts pour le prêt à 100%. Donc, il faut que vous ayez 53 000 euros de cash en main, vu le prix d'achat et le prix des travaux, pour vous permettre un prêt à 100%. Dans ce cas-là, on a un bon cash flow, 389. On a une rentabilité sur le cash flow de 8%, ça va, c'est moins bon que l'autre. Et la raison pour laquelle c'est moins bon que l'autre, c'est tout simplement cette petite... ce petit détail de ces taxes. Vous voyez, si j'enlève ces taxes, on est aussi à 10% de rentabilité sur le cash flow et une rentabilité nette sur le prix total de 7%. Pourquoi ces montants-là? Parce que ce sont deux biens qui sont mis en agence. Les agences savent ce qu'elles font et savent qu'un investisseur ne regardera pas spécialement le bien avec des chiffres qui sont plus mauvais que ceci. Donc, n'oubliez pas que les agences sont là aussi pour essayer de vendre le bien. Donc, elles cachent certaines choses. Et là, c'est bien ici, c'est clairement cette taxe qui va nous plomber. Parce qu'avec cette taxe-là, ben voilà, le cash flow descend à plus de 8%. On a une rentabilité qui descend au-dessus de 7%. Mais surtout, le gros problème de ce bien, même s'il a l'air génial de prime abord, 8%, c'est pas mal du tout. 7% de rentabilité nette, c'est pas vraiment pas mal. Mais une fois qu'on arrive ici, ben voilà, si on met 0 en apport, à cause de cette taxe, on n'a pas les voyants ouverts pour le prêt total. Donc, ça peut être intéressant pour la personne qui a envie d'investir de l'argent et qui a ses 50 000 euros. Pour quelqu'un qui veut faire un prêt total, ben voilà, c'est fini. Soit il faut faire baisser le prix, soit il faut trouver un moyen d'avoir des loyers plus élevés. Alors, on est en train de comparer deux biens, donc clairement, cette solution est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Et alors, autre chose qui est super intéressant avec ce bien, donc c'est clairement ce bien-ci qui gagne aujourd'hui. Voilà, ça c'est le bien d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, je vais contacter le vendeur pour avoir plus d'informations parce que ce bien est réellement intéressant. Donc, si vous regardez la vidéo juste après que je l'ai posté, ben voilà, vous avez l'adresse ici, n'est-ce pas? Vous avez les contacts ici, donc c'est Fourneau, voilà, c'est bureau d'expertise Fourneau. J'ai déjà regardé un petit peu. J'aime bien toujours, quand je regarde un bien, d'aller voir comment il est mis en valeur sur chez le vendeur. Voilà. Donc ici, très sympa. Quelque chose qui est super intéressant quand vous regardez ceci, n'est-ce pas? Un appartement, deux chambres. Vous avez un appartement de deux chambres ici à l'étage. Ce qui veut dire que cet appartement-ci, vous pouvez encore augmenter sa rentabilité en le mettant en colocation. Et ici, qu'est-ce que vous avez à l'étage? Un appartement trois chambres. Donc non seulement vous avez une bonne affaire en main, mais en travaillant dessus, en regardant comment la mettre en colocation, par exemple, une colocation, ben c'est facile. Hein. Ici, vous avez un loyer à 450. Donc vous mettez déjà tout simple, pas cher du tout. 2 fois 250, charge à part, donc pas charge comprise. Encore une fois, ici, on n'est pas en charge comprise. Deux fois, vous montez ici, hop, vous avez gagné 10% ici de loyer. Trois chambres, ben, vous mettez trois chambres à même 200 euros la chambre, vous êtes à 600 euros, quoi, au lieu de 480. Donc, on gagne ici donc 120 euros, on gagne ici 50 euros, uniquement en passant de la colocation pas chère. Regardez ce que ça donne dans
Ici, si on rajoute 150 euros ici, donc on est à 1 500. Voilà. Vous avez une rentabilité maintenant de 8%. Boum, un cash flow qui monte à 400 euros. Tout de suite, c'est un avantage énorme. Donc ici, on a un cash flow sur ce gain-ci qui coûte uniquement 150 000 euros à l'achat en l'ayant mis en colocation, qui est plus élevé que le cash flow de celui à 320 000. Voilà, à 340 euros de cash flow. Donc très clairement, super, super bonne affaire, cette affaire ici. Donc voilà, vous avez appris, un, comment trouver des bonnes affaires, donc comment commencer à filtrer. Et une fois que vous avez filtré, cherchez comment optimiser le bien. Parce que, encore une fois, une bonne affaire, c'est vous qui la créez. Là, c'est déjà une bonne affaire à l'achat. Donc, très clairement, téléphonez et comprenez pourquoi le vendeur veut vendre, quelles sont les raisons de la vente. Autre chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, on est en ordre urbanistique, pas de permis de location, pas de taxes pour des petits logements. Donc, vous êtes parfait. Voilà, super bonnes affaires, super bonne affaire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, donc je vais vous mettre aussi le post du blog sur le blog pour vous permettre avec les liens, comme ça vous pouvez directement voir ceci, les liens, les screenshots du fichier Excel. Encore une fois, merci et à la semaine prochaine pour deux autres comparaisons et la prochaine bonne affaire.